Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le 4,40 évolue proche de l'équilibre avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu, eux aussi, proche de l'équilibre, légèrement en hausse, en croire les contrats futurs sur les indices. Les investisseurs continuent de digérer le changement de ton de la réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt. Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention les interventions de plusieurs responsables de la Fed et surtout celle du président Jérôme Powell cet après-midi. Pour rappel, hier, à la clôture, Wall Street terminait en nette hausse. Le Dow Jones gagnait 1,76% à 33 877 points. Le S&P 500 clôturait en hausse de 1,40% à 4 224 points. Et le Nasdaq, lui, progressait de 0,79% pour s'établir à 14 141 points. Les valeurs à suivre maintenant toujours du côté de Wall Street. Boeing qui annonce le départ sans donner de raison de son lobbyiste Tim Keating, qui a aidé le groupe aéronautique à traverser une des plus grosses crises de son histoire après les crashs des deux 737 MAX. Aérien, toujours, on suivra également Delta Airlines qui prévoit d'embaucher plus de 1000 pilotes d'ici l'été prochain. Nous suivrons aussi la maison mère de Google, Alphabet. La Commission européenne a annoncé ce mardi l'ouverture d'une enquête sur les activités publicitaires de Google afin de déterminer si le moteur de recherche cherche à enfreint ou non les règles en matière de concurrence en favorisant ses propres services technologiques de publicité. Translet Bio et Sanofi ont annoncé aussi mardi le début des essais cliniques de phase 1 de leur vaccin antigrippal. Et enfin, nous suivrons également Moderna. L'Union européenne a décidé d'exercer une option d'achat dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement avec le laboratoire américain pour 150 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19.